Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment blanchir les dents sur Photoshop CC de la façon la plus simple et la plus rapide tout en ayant le meilleur résultat possible. Allez, le générique et on attaque. Comme d'habitude, je vous propose avant de commencer de télécharger la photo que je vais utiliser gratuitement. Le but de ce tutoriel est que vous appreniez correctement comment blanchir les dents. Voilà pourquoi je vous propose de télécharger la même photo que je vais utiliser. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr utiliser votre propre photographie. Alors pour pouvoir la télécharger, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site web tuto-photo au pluriel.com. Le site est dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Vous devrez dans un premier temps créer un compte. Puis simplement vous rendre sur l'onglet tuto gratuit. Cliquez ensuite sur le tutoriel actuel. Dans notre cas, il s'agit de comment blanchir les dents sur Photoshop CC. Cliquez sur le dossier et le tour est joué. Les photographies se téléchargeront automatiquement sur votre ordinateur. Allez, on est parti. Alors, il existe vraiment beaucoup de manières différentes de blanchir des dents sur Photoshop, des façons assez complexes et relativement longues. Pour ma part, je vais aujourd'hui vous montrer la technique la plus simple et la plus rapide pour faire blanchir des dents. Le secret de ce qu'on va voir est de ne surtout pas trop désaturer. Car si vous enlevez toute la couleur jaune, ce n'est plus du tout réel, les dents vont devenir totalement grisâtres, voire même parfois avec un aspect bleuté. Alors voici notre photo avec les dents bien jaunes. Et on va dans un premier temps faire une copie de notre calque en sélectionnant le calque ici, le placer juste là et nous avons maintenant une copie. Donc ça va nous servir si jamais on fait une erreur et qu'on souhaite revenir sur la photo précédente ou bien simplement pour comparer la photo quand elle sera finie avec la photo du début. Je sélectionne dans un premier temps ici le lasso. Et je vais donc sélectionner les dents en essayant d'être le plus correct possible. Voilà. Essayez de ne pas trop déborder sur les lèvres. Si vous le faites, c'est pas grave du tout. On va voir juste après comment corriger cela. Pour le tutoriel, je m'applique pas trop. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et le temps que je fasse ma sélection, n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce ou à vous abonner. Ok, alors ma sélection est faite. On peut voir que j'ai oublié par exemple ici. Eh bien, c'est pas grave parce que si j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, on peut voir qu'à côté du lasso j'ai un petit plus qui apparaît. Regardez, je relâche, le plus s'en va, je laisse et le plus est ici. Donc je vais laisser appuyer et je vais simplement, voilà, refaire une sélection sur ce qui manque. Et on est bon. Ici aussi. Si par exemple, au contraire, j'ai débordé, disons comme ceci, eh bien, je peux cliquer sur la touche Alt dans mon clavier. Cette fois-ci, un petit moins apparaît et je vais pouvoir retirer le débordement. Bon voilà, je ne vais pas trop m'étaler et perdre trop de temps sur la sélection. Vous pourrez peaufiner vous-même. Il me suffit ensuite de cliquer sur Sélectionner et masquer tout en haut. Et on peut voir que notre sélection est relativement brutale. Voilà, on n'a aucun effet lisse, on n'a aucun dégradé, tout est vraiment net. Eh bien, le but maintenant va être de fluidifier tout ça. Comment Eh bien, simplement ici, dans contour progressif, je vais augmenter. J'ai mets par exemple vers voilà 6.5, c'est pas mal. On peut voir maintenant, on a un beau dégradé, une belle fluidité. Bon, bon bref, un contour bien progressif. Et c'est le but. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez aucune progressivité et les dents auront un aspect totalement faux. Alors je me remets vers 6.5. Je clique ensuite sur OK. Nous avons notre sélection. Je vais ensuite me rendre sur la gauche, sur l'outil de densité, et je vais cliquer ici sur l'outil éponge. L'outil éponge va nous permettre de désaturer ou bien de saturer notre zone sélectionnée. Donc désaturer bien pour enlever la couleur ou saturé pour vraiment intensifier cette même couleur. Donc assurez-vous bien qu'en haut, dans mode, vous avez bien des saturations de sélectionner. Un flux pour ma part de 50, donc ça va dépendre de la quantité de jaune que vous avez sur votre photographie. Plus vous aurez du jaune, je vous conseille d'augmenter, ou sinon, réduisez euh, ce flux. Ce flux est important parce que si jamais vous avez un flux trop important, vous allez enlever trop de jaune, voire même la totalité, et les dents vont devenir totalement grisâtres, ce qui n'est pas le but du tout. Il faut toujours laisser un tout petit peu de jaune, euh, histoire que euh, les dents aient un aspect réel. Donc je vais commencer à peindre, tout simplement, en passant comme ceci. Voilà. Alors, je pourrais laisser comme ceci. Euh, je vais néanmoins peut-être baisser cette fois-ci à 10 et repasser sur certaines zones qui sont encore un peu trop jaunes à mon goût. Bon, voilà, très rapidement, comme ceci. Je reviens ensuite sur mon outil de densité et je sélectionne outil de densité moins. Je m'assure en haut que mes tons moyens sont bien sélectionnés donc nous avons ton foncé, moyen ou clair. Si je sélectionne par exemple les tons foncés, je vais mettre de la luminosité seulement sur mes tons foncés donc seulement sur ce qui est par exemple ces zones noires ici. Zones claires, je vais avoir seulement les zones trop claires donc je sélectionne moyen. Une exposition à 10 c'est pas mal. Et je vais tout simplement rapporter un peu plus de lumière, un peu plus de peps à notre photo. Voilà. Comme ceci. Et tout simplement. On peut voir maintenant notre photo avant et après. Avant et après. Il reste encore un petit peu de jaune, mais c'est le but que je recherchais justement pour avoir toujours cet aspect réel. Libre à vous si vous voulez totalement désaturer vos dents. Les dents seront blanches comme une publicité. Cliquez dès à présent sur votre meilleur pouce si vous avez aimé la vidéo. J'espère une fois de plus avoir pu vous apprendre quelque chose et de vous avoir fait progresser. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être averti des vidéos totalement gratuites à venir, que ce soit sur Lightroom ou sur Photoshop. Bon shoot à tous, bonne retouche et à très bientôt.